Approchez, approchez. Aujourd'hui, une peau de bison achetée, un calumet offert. Hey Joe, on peut s'évader avec ça? Non. Et avec ça? Non. Et avec ça? Oh, un collier. On peut dire qu'il m'irait au poil. Non, 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 Jack Dalton. Cet objet a un grand pouvoir. Ce collier est à moi. Il n'est pas à vendre. Et ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un authentique tomahawk de poche. Mais il fait aussi silex allume-feu, lance-pierre et mini-sarbacane. Ah, il pique le collier pour me l'offrir après. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Oh! Fin de la récré! On rentre en cellule! Mais, et mon cadeau? Oh, merci, Joe! C'est trop gentil! Il me va bien, moi! Oui, mais bon, après, je veux savoir quel est son pouvoir. Wow! Oh, de l'or! Le collier transforme tout ce que tu touches en or. On est riche! Mais c'est pas avec de l'or qu'on va s'évader. Quoique... À toi de jouer, Avril. Wow! De l'or! Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaillitude? Quelle catastrophe, monsieur le directeur! Ils sont tous pris par la fièvre de l'or! Oui, ils sont devenus... Ouh. Il est à moi! Les clés! Libre et riche! C'est ce que j'appelle un plan en or! Ouais! Qu'ils peuvent être distraits, ils sont partis si vite qu'ils ont oublié de me donner mon collier. J'arrive, mon précieux, j'arrive! Voilà, ici, c'est une planque parfaite! Mais Joe, je croyais qu'on était riche! Si je te donne une branche, tu me donnes mon collier. Hé, retemplope! Tu veux jouer? Avril, arrête de faire le pitre et touche-moi un peu ce toddy. Tout ça m'a donné soif. Oh ben ça alors, Joe, il y a des pépites dans la gourde. Mais non, c'est toi qui transformes tout ce que tu touches. Enlève ton collier, triple nouille. Je peux pas, il est coincé. Cuillère pour William. Bon, ça suffit. Moi, je vais me faire une petite bande. Mais pourquoi faire? On est plein aux as. Je m'en moque. J'ai besoin d'exercice. Je peux venir? Seulement si tu touches à rien. Oui, les mains! Ceci est un hold-up! Imbécile! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien! Regardez, il transforme tout ce qu'il touche en or! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien! Hé, hey, Joe! Il y a des gens qui partent avec des morceaux de notre ranch! C'est normal? Quoi? Personne ne touche à mon ranch! Occupe-toi, Avril. C'est lui! C'est l'homme au doigt d'or! Non, écartez-vous, c'est mon précieux à moi. Je crois que j'ai fait une boulette dorée, Joe. C'est lui! On fonce chez les Indiens, on va leur rendre ce collier de malheur. Oh, il faut juste qu'on arrive à semer ces imbéciles. C'est l'homme au doigt d'or! Touche ce cactus! Aïe! Aïe!
vieux cinglé. Reprenez ce collier et rendez-nous Jack et William. Joe Dalton a abusé de ce pouvoir. Joe Dalton doit payer ses bêtises. Oh! Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mes frères! Transformés pour toujours en statues! Regardez! De l'or! De l'or! D'accord, on va vous délivrer de la malédiction du collier. C'est vrai? Ça fait pas mal au moins? Seul le véritable propriétaire du collier peut le retirer du cou de celui qui le porte. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et notre hanche? Hé, regarde, Joe! Jack et William sont redevenus comme avant! Fin de la cavalitude dorée, les Dalton. On rentre à la prison. Mon précieux! Enfin, tu es à moi! Ils vont en faire une tête au pénitencier quand ils vont me voir si beau. Pa-pouze. On répète après moi. Pa-pouze. 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 Wouah! Un canon à crème chantilly. Squall! Ça va durer encore longtemps, ce cours? Ouais, on s'ennuie, j'avais pas autre chose. Comme vous voudrez. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom! Ah oui, là, ça réveille! Combien la poignée de sable magique, là? 10 dollars les 100 grammes. Yop! Le marchand de sable va passer. Un peu lourde, cette chantilly. Couvre-feu, allez au dodo. Suivez-moi. Grâce à ce sable magique, on va refaire la même tempête que ce matin devant la porte. Elle va pas résister très longtemps. Alors, comment qu'il a fait déjà? Il a lancé le sable en l'air en disant « Agawa, bunga, tagada, tagada, soin de soin !» Non, tagada, pom pom. Il a dit « soin de soin !» Pom pom. Tu pourrais dire « pom soin !» Agawa, bunga, tagada, tagada, pom soin. Ça devait être pom-pom. Mmh. Dites donc, les Dalton, qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien. On profitait du clair de lune. Mmh. Bon, bah, bonne nuit. Nous, on retourne en cellule. Avec ce nouveau pouvoir, on va s'évader les doigts dans le nez en se glissant sous les portes. Démonstration. Et après, je me remets en moi comme je veux. Elle est pas belle, la vie? À vous. Ça fait drôle d'être ensemble. Je me demande si Ma va nous reconnaître. Elle va croire qu'on est allé à la plage. En même temps, on est en prison, alors la plage, c'est pas la porte à côté. Tu pourrais pas la fermer, Yavrel. Quoi? Des litières qui marchent toutes seules. Zut, c'est occupé. Allez, ramenez-vous. Sortez-moi de là, bande de crétins! Hein? Encore vous? Non, mais c'est une manie! Où est Joe? Ici! C'est dingue! En tombant dans le tas de sable, t'as triplé de volume! Ouais! Et avant de partir, j'ai envie de m'amuser un peu! Il a toujours ce petit grain de folie! Allez, les gars, sautez dans le tas de sable et suivez-moi! Oh! Ah, je comprends. C'est un concours de château de sable. Et la chantilly, c'est le cadeau pour le gagnant. Monsieur le directeur!
Un monstre! Insassable! Mais qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Les Dalton! Surprise! Il est impressionnant, mais il fait quand même un petit peu peur, ce château de sable. Monsieur le directeur, je suis certaine que c'est la magie des vrais faucons qui les a transformés. Je vais le chercher. En attendant, calfeutrez chaque porte, chaque fenêtre, qu'aucun grain de sable ne puisse passer. Moi, je me réfugie ici! Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on se fait le mal! C'est du ciment, Joe. Ils ont bouché toutes les issues. Même le plus petit grain de sable ne passe plus. Ah ah! Y a qu'à passer au-dessus! Oh! On va employer les grands moyens. Très bien, les Dalton. Il est temps que j'y mette mon petit grain de sel. Allez les gars, on va frapper un grand coup. Oh, ouvrez! C'est Miss Betty! Monsieur Faucon est avec moi! Voilà ce qui arrive quand on aspire à la libertitude. Heureusement que je suis là pour veiller au grain. Miss Betty? Sortez-nous de là! Ils sont tous incroyables, ces châteaux de sable. Impossible de savoir qui a gagné. Alors moi, je dis chantilly pour tout le monde. À vous de jouer, Monsieur Faucon. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Vous pouvez démouler. Ah, on y était presque. Dommage qu'il y ait eu un petit grain de sable. Allez, on s'active. L'ange doit venir aussi blanc que colombe immaculée. Je déteste faire la lessive. Ça me chiffonne. Comme Confucius disait, mieux vaut laver l'ange sale en famille que... Je vais t'en donner, moi, du Confucius. Profitons-en pour dégoter un truc utile qui nous permettrait de nous évader. Tu veux goûter, Joe? Ça a la fleur d'oranger. On a dit des trucs de Qu'est-ce que tu lis, toi? Un livre sur l'hypnose. Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris? Hey, ça c'est utile. Si on arrive à hypnotiser les gardiens, on pourra leur prendre les clés. Et à nous, la liberté! Ça y est, j'ai pigé. Avril, regarde-moi bien dans les yeux. Tu te sens tout petit. Tu as très envie de fromage. Tu es... une souris. Ça a marché. Il se prend pour... un chat. Un chien sauvage. Il doit venir du désert, c'est la première fois que je le vois ici. Hé, hey, salut copain, on joue à ça. Wouah, tu le fais vachement bien, dis donc. Laissez-nous sortir, on a besoin de prendre l'air.
C'est ça, tu nous prends pour des ânes? Vous croyez pas si bien dire. Vous avez les oreilles qui poussent. Vous êtes des ânes! Les clés, ils partent avec les clés! Ici, donnez-moi les clés! Tu m'attraperas pas ça! Fini les singeries. Rendez les clés à Tonto Joe. Quand on cherche des puces à Dalton, on les trouve. Aïe. Que se passe-t-il ici? Il faudrait peut-être appeler un médecin. On dirait plutôt qu'ils sont possédés. Je vais devoir faire appel à un spécialiste. On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit. Je vais essayer de les raisonner. On tourne rond dans cette histoire. Donnez-moi les clés, vous. Et puis quoi encore? Je ne serai pas le dindon de votre farce. Dindon? Pourquoi pas? Vous êtes plein de plumes. Vous aimez les farces. Vous êtes un dindon! Qu'avez-vous fait à Monsieur Peabody? Vous êtes une biche. Une gentille petite biche. T'as réussi, Joe! Enfin, presque. Un bison, c'est un peu comme une biche. Mais en moins sympa. Impossible de communiquer avec son esprit. Je vais essayer avec celle-ci pour voir. Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem. Chic, on joue à chat perché. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains? Les clés! Donne-nous les clés! Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent. Une mouche? Eh, mais c'est pas bête, ça. Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser. Hein? Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi. T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas. Sauf si je change de méthode. Tu es énorme. Tu aimes les trains. Tu es... une vache! Alors c'est qui le patron? Hé, hey, là-haut! Viens chercher ton goûter! Où sont les Dalton? Et mon livre? Fini les os! Il est temps d'ouvrir la cage! Stop! Vous avez pris livre hypnose? Il faut le rendre tout de suite! Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en piaf! Moi aussi, avoir le livre! Toi, être un fer à repasser! Et toi, un coyote! Un savon! Un loup! Une pince à linge! Un ours! C'est moi le plus fort! Avril, c'est pas le moment, là. Il ne faut jamais baisser ta garde! C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming Li Fu. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non? Ming Li Fu, attendre encore un peu pour celui-là. Plus utile comme ça! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh,
pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de ne pas lui donner tout de suite. Tu l'auras! Tu l'auras pas! Tu l'auras! Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique! Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà! Allez, c'est pour qui? Toi, 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 toi! Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe! C'est joli! Oh! C'est pas mal, il est aussi bête que ma roi! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau! T'inquiète, Joe, on va te recoller! Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hé, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hé, mais je suis pas un bâton. Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule, et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil. Et les gardes vont nous faire sortir. Voilà, heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins, on récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Ah! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé! Pas encore! On doit d'abord récupérer le bâton! Gentil chien, ici! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Oh! Ah! Oh! Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette. Vite! Rantanplan!
T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien. Continue à tourner autour de moi. La baguette est à moi. Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Oh, retour à la case des beurres. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. Hey, j'en ai trouvé un autre, Kiki Lange. Je vais plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer ?